C'est à l'oral que j'ai du mal à m'exprimer. Heureusement, il y a les conversations virtuelles, les textos. Moi, par texto, je te fais passer l'émotion que je veux grâce à un outil, les emojis. Il y a des emojis qui valent des phrases, sans déconner. Hein. L'emoji bouge sur le côté, là. C'est bizarre, la connotation qu'il a. Ou c'est moi le fou, mais... Il y a un vrai... C'est juste un point jaune sur un écran. Hein. Mais à chaque fois que je le reçois, bizarrement, je lis. Viens, vraie connotation. Et c'est que par texto. Crois-moi, si un jour on se date et qu'en plein date, je te lâche un... Tu me prends soit pour un fou, soit pour un début d'AVC. Ce sont les premiers symptômes de l'AVC, c'est la paralysie faciale. Il ne faut pas sous-estimer ce problème. Je veux que tout le monde ait le même niveau d'enthousiasme que madame. Comment est-ce que tu t'appelles? Adeline. Adeline, et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'industrie. Tu travailles dans l'industrie? Dans quelle industrie? Dans le... Allez, ça part. Ça part. Ah, ça peut marrer, monsieur. Vous êtes ensemble? Non. Ils sont retrouvés. Énorme. Ok, et du coup, vous êtes plus ensemble maintenant? Non. C'est vrai ou pas? C'est vrai, vous êtes vraiment divorcés? Trop drôle. C'est énorme. Et juste, vous êtes dit, allez, on va faire une petite rigolade avec les enfants, là. Vous avez été mariés combien de temps? Oula. Trop longtemps. 13 ans. Ok, et il a ramené des fleurs. Il veut la reconquérir ce soir. Ce soir, Adeline, tu quêtes avec le yoga. On met le couvert, ma sœur. Oh putain, ça dérape, les gars. On a à peine commencé. Vous vous rappelez de cette pub, la pub Axe Chocolat ou pas? Il y en a qui s'en rappellent de cette pub? Ouais, genre, c'était un mec, il venait, il mettait du Axe Chocolat partout sur lui, genre... Et les meufs, elles venaient le croquer comme si c'était du chocolat. Alors, vous vous rappelez pas, genre, le concept parfum, nourriture? J'ai testé la théorie, je suis allé acheter du Axe Chocolat. J'en ai mis partout sur moi, j'en ai mis... Genre... Je suis allé voir des meufs. Les meufs, elles m'ont fait... Ah, tu pues Nutella, gros porc. J'adore parler de la vie des couples en ce moment parce que je suis amoureux. Arrêtez, mec. Je suis amoureux, mais je suis pas en couple. Est-ce que c'est pas la phrase la plus triste que vous avez entendue aujourd'hui, mec? Je suis en train de préparer le premier date avec cette fille, le premier rendez-vous, on s'est mis d'accord, on va se voir. Et comme ça fait quelques années que je suis célibataire, j'ai fait un truc très triste. Je suis parti sur Google et juste pour bien préparer le premier rendez-vous, j'ai tapé Paris, 2 points. Meilleure activité pour un premier date, point d'interrogation. Et dans la liste des activités qu'on m'a proposé de faire, il avait l'emmener boire un verre dans un comedy club. Et dès que j'ai lu ça, le plan s'est mis en marche dans ma tête parce qu'elle sait pas que je fais du stand-up. Je vais l'inviter, je vais mettre au premier rang, comme vous deux, d'accord? Et je vais prévenir les humoristes de la soirée, je vais leur dire, quand vous allez m'appeler, je viendrai du public. Comme ça, juste l'humoriste avant moi, il va m'appeler. Il va dire, faites du bruit s'il vous plaît pour Plagadam! Je vais juste tourner ma tête vers la fille, je vais faire, bouge pas, je reviens. Et je vais aller sur scène. Ça claque ou ça? Ah, tu vas ou pas? Ah, ben oui! Carrément, il m'a dit. Donc, on va passer un deal. C'est un jour, vous revenez à une soirée stand-up et que vous me voyez au premier rang. Sachez, vous avez ma soirée entre les mains à ce moment-là, d'accord? Si je ken, c'est grâce à vous quand même. Donc, à partir du moment où je monte sur scène, j'écoute celui qui rigole le plus fort, je lâche un petit billet. Vraiment. Pendant le spectacle, hein, comme si de rien n'était. Je sais pas si vous avez remarqué dans la vie, tiens, Yacine, prends. Je comprends pas quand on me drague, mais c'est pas le pire, je comprends pas quand on me drague pas. Gros problème. La dernière fois, non, c'est un problème. Non, la dernière fois, j'étais dans un bar avec une copine, on était en train de discuter et elle capte tout, elle sait tout, elle a tout compris, tu vois. Elle me dit maintenant, ça suffit, Alex, c'est une meuf de 2023. Les meufs de 2023, ça drague. T'es pas une fleur, tu te laisses cueillir, c'est toi qui cueille, tu vois. Et j'étais motivée, tu vois. Et là, je tourne ma tête et je vois un grand monsieur qui s'avance vers moi. Je me dis, c'est le moment. Il fonce vers moi, il me regarde. Je dis, oulala. Je vois que monsieur est entreprenant, il me dit non, monsieur est barman, il voudrait juste passer, voilà. J'ai pas compris, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, en fait, mais parce que moi, je suis restée bloquée à 14, même pas à 8 ans, je te jure. Oui, tu sais, veux-tu être mon amoureuse, coche oui ou non? Là, j'y étais, là, je comprenais, tu vois. Là, maintenant, tu sais, c'est le langage non-verbal, tu vois, c'est la subtilité, c'est... moi, je vois cette pote, elle arrive...
c'est elle repère, elle l'a vu, il l'a vu, elle a vu qu'il l'avait vu, mais elle fait comme si elle n'avait pas vu qu'il l'avait vu, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Et après, genre, elle fait juste un coup de cheveux, lui, il fait un coup d'épaule, elle se retourne, il arrive, comment vous faites? Moi, si je fais ça, j'ai des tocs, frère, vraiment, ça marche pas, quoi. Tu vois, vraiment, vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Je comprends pas, par exemple, là, tu me dragues ou pas? C'est vrai. Non, parce qu'il me regardait, il me fixait, il me souriait, je me suis dit, c'est ça, c'est ça. Mais je vais plus pouvoir te regarder, par contre, moi, maintenant.